en fait incroyable pour les enfants curieux. Une collection hilarante des choses les plus absurdes, les plus étranges et les plus vraies que tu devrais savoir. Chers garçons et filles affilées de tout âge, êtes-vous prêts pour un voyage amusant et enrichissant, rempli de nouvelles, de découvertes, de faits incroyables pour satisfaire votre curiosité et pourquoi pas impressionner vos amis? Éteignez la télévision et les jeux vidéo et préparez-vous à lire des articles portant sur les choses les plus bizarres, les plus drôles et les plus étranges, issus de tous les coins de la planète. Nous allons parler de bizarreries alimentaires, de faits incroyables sur l'histoire et la science, de curiosités du monde animal et de la nature, de populations de records les plus improbables, de sports, d'inventions, de sciences, de peurs effroyables, de dictons, ainsi que d'éléments de réflexion qui vous tiendront en haleine, vous et votre famille. Curiosité sur la géographie et le tourisme. Les faits les plus improbables lorsqu'on voyage sur la planète. Les lois les plus folles d'Amérique. Dans chaque état, la loi, même la plus insensée, est applicable à tous et doit toujours être respectée. Pourtant, vous devez savoir qu'il existe dans le monde des réglementations tellement bizarres et incroyables que vous vous demanderez comment il a été possible de les adopter. À première vue, beaucoup d'entre elles semblent non seulement inutiles, mais aussi ridicules et dénuées de sens. La plus extravagante, cependant, se trouve aux États-Unis, où tout, même la création de lois, se fait de la manière la plus spectaculaire. Un peu comme dans le cinéma hollywoodien. Énumérons quelques-unes des plus absurdes. Saviez-vous, par exemple, qu'à New York, il est interdit de mettre une glace dans sa poche en se promenant dans les rues de la ville le dimanche? Ou qu'à Tryon, en Caroline du Nord, vous ne pouvez pas garder un oiseau qui chante? Ni jouer de la flûte dans la maison entre 11h du matin et 7h du lendemain matin. Oui, mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Dans l'Ohio, il est interdit de donner à boire aux poissons. Dans l'Oklahoma, les chiens qui veulent se rassembler en groupe ne peuvent le faire qu'avec la permission du maire. En Pennsylvanie, il est interdit de chanter dans la. Enfin, dans l'Utah, il est interdit de pêcher assis sur un cheval. Qui voyage le plus dans le monde? Quel pays compte le plus de voyageurs au monde? La plupart des gens répondront probablement la Chine ou le Japon, bien que les touristes chinois comptabilisent le plus grand nombre de voyages. Plus de 97 millions de personnes recensées en 2013. En tant que nation, les Chinois ne voyagent pas beaucoup. Et si le nombre de voyages est si élevé, c'est uniquement en raison de la taille de la Chine et du grand nombre de ses habitants. Alors, si la Chine ne détient pas ce record, quel est le pays qui compte le plus de voyageurs au monde? Il semble que ce soit en fait des habitants de la Scandinavie. Et en première position, les Finlandais, avec une moyenne de 8 voyages par an et par personne. 2 voyages sur 8 sont internationaux. En deuxième position, nous retrouvons les touristes américains, avec 7 voyages par an. Ensuite, viennent les voyageurs suédois, danois et norvégiens,
avec 5 ou 6 voyages par an. Il n'a pas plu dans le désert d'Atacama depuis 400 ans. Savez-vous où se trouve l'endroit le plus sec du monde? Au Chili, en Amérique du Sud, se trouve le désert d'Atacama, long de près de 2000 km et large de 100 km. Il est célèbre pour être parmi les déserts côtiers les plus secs de la planète. On dit qu'il n'a pas plu ici depuis plus de 400 ans. La position géographique de ce désert, fermée à l'est par la cordillère des Andes et à l'ouest par la cordillère de la Costa, fait que les précipitations y sont très faibles. La zone se caractérise par une grande amplitude avec des températures aussi entre 5 degrés la nuit et 40 degrés le jour. Depuis quelques années, le désert d'Atacama est utilisé par la NASA pour réaliser des expériences et des tests en vue de futures missions sur la planète Mars. En outre, de nombreux films de science-fiction y ont été tournés. Curiosité scientifique, des faits sur la science et la que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. Lorsque nous pensons aux dinosaures, nous imaginons des reptiles énormes et féroces, appartenant à une époque révolue. Ils sont apparus sur Terre il y a environ 230 millions d'années et ont dominé le règne animal jusqu'à ce qu'un événement catastrophique majeur conduise à leur extinction définitive. Pourtant, les paléontologues affirment que les dinosaures n'ont pas disparu. Apparemment, il en existe encore aujourd'hui 10 000 espèces différentes, vivant sous forme d'oiseaux. Certains chercheurs britanniques affirment que les oiseaux sont le seul groupe de dinosaures ayant survécu à l'extinction et continuent à évoluer au fil du temps. Contrairement aux grands dinosaures, ces petits spécimens ont réussi à rester en de la nourriture et à s'adapter aux changements environnementaux et climatiques. Les oiseaux modernes sont donc à part entière des dinosaures encore vivants. Pensez-y la prochaine fois que vous vous trouverez face à un pigeon, le hotspot le plus élevé du monde. Il nous est arrivé à tous d'essayer d'appeler ou d'envoyer un SMS à un ami et de nous rendre compte que votre smartphone manquait de réseau. Vous avez peut-être remarqué que la connexion peut facilement être perdue. Lorsque vous vous trouvez dans des endroits éloignés ou isolés. Mais si je vous disais que sur le mont Everest, la réception est excellente, le croiriez-vous? Eh bien, c'est tout à fait vrai. À 5360 le camp de base de l'Everest est le plus haut hotspot de la planète. En effet, il existe pour une raison spécifique à cela. Des alpinistes viennent ici chaque année pour escalader des montagnes et un bon nombre d'entre eux rencontrent de sérieuses difficultés. C'est pourquoi il a été décidé de proposer un système de connexion qui faciliterait la communication en cas de difficulté ou de danger. Savez-vous vraiment tout sur les combinaisons spatiales? Vous avez sans doute déjà vu un astronaute sur une photo ou à la télévision. Avez-vous remarqué que les costumes qu'ils portent habituellement sont toujours blancs? Ce choix a été fait parce que le blanc protège des radiations cancérigènes du soleil. En effet, cette couleur est capable de réfléchir la plupart des rayons du soleil. Ces combinaisons sont également très confortables et permettent aux astronautes de marcher dans l'espace et de se déplacer librement. Il faut cependant savoir qu'une fois de retour sur Terre, en raison de la force de gravité, une combinaison spatiale ou un scaphandre pèse bel et bien 127 kg. Ce n'est donc pas un vêtement très léger, comme il l'est en orbite. Dans l'espace, sans la force de gravité, il ne pèse absolument rien.
plus, comme vous le savez, une combinaison spatiale est également équipée d'un casque spatial pour la survie. Et comment un astronaute se gratte-t-il si son nez le démange? Les scientifiques y ont pensé en insérant un petit morceau de velcro à l'intérieur du casque. L'astronaute n'a qu'à frotter son nez contre le velcro pour se soulager de la démangeaison. Pleurer est une réaction qui arrive à tout le monde. Nous le faisons lorsque nous sommes tristes, mais aussi lorsque nous sommes heureux et particulièrement émus. Pourtant, pleurer n'est pas seulement un moyen d'exprimer et de communiquer notre humeur aux autres. C'est aussi une fonction psychophysiologique. Lorsque nous pleurons, les larmes favorisent la libération de corticotrophine, l'hormone du stress. Un cri libérateur semble donc aider notre organisme à revenir lentement à un état de normalité et de calme, en réduisant les réactions de forte agitation et de stress. D'autres études affirment également que les pleurs aident à mieux dormir, à combattre les bactéries et à améliorer. Curiosité sur le thème de l'alimentation. Révélation amusante sur la nourriture. Les croissants ne sont pas vraiment français. Les croissants sont-ils bons? Vous en avez sûrement dégusté au moins une fois au petit déjeuner. Peut-être avec une tasse de cappuccino. Mais d'où viennent-ils? Bien que son nom soit un terme français, il signifie littéralement « croissant » et fait référence à la forme d'un croissant de lune. Le croissant n'est pas français, mais n'a été importé en France que dans la première moitié des années 1800. Ce gâteau vient d'un autre pays, l'Autriche. Il s'inspire en fait du Kipfer. Ce dernier était en fait une demi-lune sucrée ou salée, à base de farine, d'eau, d'œufs, de sucre et de beurre. On badigeonnait leur surface d'un jaune d'œuf pour les rendre dorés et croustillants à la cuisson, comme on le fait encore aujourd'hui avec les croissants. C'est Auguste Zang, un officier d'artillerie autrichien, qui a importé cette pâtisserie à Paris, en fondant la boulangerie viennoise au début du 19e siècle. Le poivre comme produit de luxe. Voici une curiosité à propos d'une épice que nous connaissons tous très bien, le poivre noir. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ces petits grains sombres étaient considérés comme un produit de luxe. Ils étaient si précieux qu'avec des grains de poivre, on pouvait payer des choses très importantes, comme le loyer ou les impôts. Curiosité anthropologique, coutumes et particularités de peuples dont vous ignoriez peut-être l'existence. L'importance du partage. En Afrique, plus précisément en Tanzanie, vivent les Hadza, une petite tribu très particulière. Apparemment, ils n'ont pas de rite religieux, ni de chef ou de leader officiel. Ils ne célèbrent pas les anniversaires et ne comptent pas le temps qui passe. Hormis ces différences qui pourraient vous sembler, les Hadza accordent une grande importance aux valeurs d'égalité et de générosité. Pour eux, donner ce que l'on a sans rien attendre en retour est considéré comme une sorte d'obligation morale. Et si l'on possède plus de biens que ce dont on a besoin, il faut toujours les partager avec les autres.
Saviez-vous que tous les coiffeurs n'utilisent pas des ciseaux et des peignes pour couper les cheveux? En fait, la Colombie abrite le peuple Nokak, qui a toujours eu recours à des outils très inhabituels et bizarres pour créer de nouvelles coiffures. Il semblerait qu'au moins jusqu'en 1988, année où ces tribus non contaminées a décidé de sortir de la forêt et de se faire connaître du monde extérieur, les dents des piranhas étaient traditionnellement utilisées pour couper les cheveux. Absurde, n'est-ce pas? Ils ont certainement dû avoir de sacrées coupes de cheveux. C'est la fin de ma lecture sur les 100 faits. Surtout.